Bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo. Donc dans cette vidéo, on va tester la puissance du 85 qui marque comme j'avais testé pour le 92. On m'a posé beaucoup de questions si le 85 était beaucoup plus puissant que le 92. On va tester ça en vidéo. Avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, ça fait énormément plaisir. Là, on est arrivé à 200, je sais pas combien d'abonnés. Franchement, un grand merci à vous. Car à la dernière vidéo, on était, il me semble, à 111 abonnés, à peu près, un truc comme ça. Franchement, je tiens à vous remercier vraiment du fond du cœur. Continuez comme ça fait énormément plaisir. Donc là, qu'est-ce qu'on va casser? Voilà, on va casser. Alors, on va casser l'écran du PC. Voilà, celui-là. Donc, alors 1060. Bref, les trucs de collège. Je m'en sers plus, je suis plus au collège. Et le truc est cassé. Donc, pourquoi pas voir est-ce que le pistolet transperce ou pas. On va tester ça. En dernier, bien sûr, on va tester en premier, je pense, le sopalin. Voilà, donc je pense que ça va transpercer, on verra bien. Et on va tester ça, du carton, voilà, tout simplement. On va tester du carton. Donc, j'espère ne pas prendre un retour, parce que comme vous pouvez voir, on n'est pas dehors. Pourquoi je pense que vous êtes tous au courant, c'est le confinement. On peut pas sortir, voilà, la police elle tourne à côté de chez moi. Donc si je sors avec l'arme, etc., je commence à faire des vidéos et tout, ils attendent des coups de feu, ils montent, ils me voient, garde à vue et tout le tralala. Donc c'est pour ça que je préfère faire ça chez moi. Donc je n'ai pas de casque anti-bruit, malheureusement. Donc ne refaites pas ça chez vous. Si vous voulez tester d'autres objets, etc., dites-le moi dans l'espace commentaire. Est-ce que vous pourrez tester une télé, tout ce que vous voulez. On testera, il n'y a pas de souci. Donc on va tirer comme la vidéo précédente avec des 7 gommes comme ceci. Il m'en reste 3, les 3 objets, c'est parfait. Voilà, avec le 85 qui marque, qui est juste ici. Donc j'ai réussi à trouver. Le petit problème, c'est qu'en fait, quand il n'y a pas de douille mise dans le chargeur, le pistolet bug. C'est tout à fait normal, parce que vu que c'est une arme de poche, il y avait une personne qui, je crois que c'était un armurier ou un truc comme ça, qui m'a expliqué, vu que c'est une arme de poche, bah voilà, c'est pour ça. Donc, sinon, je retire ma note, je lui mets, parce que je l'ai testé beaucoup de fois, et il y a un très bon ami à moi qui a essayé aussi, et quand il a tiré, on a senti vraiment le vent qui revenait sur nous. Donc voilà, c'est parti. On va tester ça. Donc j'ai déjà mis une balle 7 gommes directement dans le petit truc dedans. On va tester ça et donnez-moi votre avis, ce qui casse, ce qui casse pas. Bon, je pense que déjà le sopalin, j'ai pas à me prendre un retour. Je vais pas vous mentir. Bon, après je pense pas, ça va le faire tomber, je pense plutôt. Bon, le carton, nous savons très bien que ça va le transpercer. Et le PC, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi. C'est parti les potes. Donc là, je vise l'embout. Au bout du canon, voilà comme ceci. Voilà. On vise bien. La balle est déjà dedans. Voilà. La balle était déjà dedans à l'ancienne vidéo. Donc, économie, on va dire. Les gars, aussi, j'ai vu beaucoup de questions. C'est quoi les meilleures balles à blanc qui existent sur le marché? Donc, si vous voulez que je fasse plusieurs vidéos de ça, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Parce que moi, là, je tourne avec du Concorde. Voilà, du Concorde. Vous pouvez avoir Titan, enfin, plusieurs marques. Et bah voilà, de toute façon, je pourrais vous faire une vidéo pour vous expliquer. Donc, on va tirer sur 3 choses en même temps. Donc, on va mettre 3 balles dedans. Comme ceci. Donc, ceux-là, les douilles, ils sont. Comment dire? J'ai un peu l'impression qu'ils sont un peu plus puissants que les Titans. Alors que les Titans, c'est une très bonne marque. Même, je crois que c'est la meilleure marque qui puisse exister sur le marché. Et voilà quoi. On va tester ça de suite. C'est parti. On charge ça. On charge ça. Et c'est parti. Ok les gars, donc on est parti. On va tirer sur le carton. Bon, vous connaissez la musique. On va faire le décompte. On va tirer. On va voir si ça transperce. Par contre là, je ne suis pas très intelligent parce que derrière c'est du placo. Bon, je pense pas que ça va casser le placo. On sait jamais. Parce que déjà, pour ceux qui ont vu la vidéo, on a fait une grosse marque. Bon, qu'on a réussi à faire partir sur le sol. Mais bon, voilà, je parle pas plus. On va tester ça. 3, 2, 1. Transpercé, même très très bien. On va voir. Oula, ah oui, on a bien tiré hein, quand même. On a bien tiré là. Ah ouais, donc en fait, je commence à taper. En fait, ça a tapé ici, c'est rentré et ça a sorti par là directement. Ok, parfait. Exception de la douille. Pour l'instant, le carton 0, l'arme 1. Ok, les gars, deuxième test. On va tester avec le sopalin. Bon, par contre, j'ai remarqué pendant que j'avais tiré. Que la balle ne rentrait plus directement à l'intérieur, il y avait, je sais pas, ça coinçait un petit peu. On va tester, on va voir si ça tire quand même. Bon, je pense que oui. Là, par contre, j'ai vraiment peur de me prendre un gros retour.
Ça va être un peu compliqué. Je vais tirer. Bon, je pense pas que je vais prendre un retour. On sait jamais. Je vais m'incliner un peu plus, les gars. Je vais tourner ma tête. Attention. 3, 2. Attendez, je vise pas. 1. Ok. On va voir ça de suite. Ça va transpercer. Oh! C'est pour ça, les gars, je vous dis que c'est pas un jeu du tout. Ah ouais. Ah ouais, les gars, ça. Je sais pas si vous allez voir dedans. Attendez, je vais mettre à la lumière. Je sais pas si vous allez voir dedans. On voit même plus rien, les gars. Tellement c'est plié à l'intérieur. Ah ouais, les gars. J'ai hâte de voir le PC. Hein. J'ai hâte de voir le PC, vraiment. C'est parti. Donc, le sopalin, 0, l'arme, 2. Ok, les gars. On va tester avec le PC cette fois-ci. Voilà. Je vous montre qu'il n'y a pas d'impact, qu'il n'y a rien du tout. Voilà. Le PC n'a rien, n'a rien du tout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que commence à trouver le sopalin. Honnêtement, il y a moyen qu'un écran ça puisse le transpercer. Après, je pense pas que ça le transperce. Parce que comme on peut voir derrière, les gars, c'est quand même du plastique dur. Bon, on verra bien. Il transperce ou pas. Là, par contre, bon, avec le sopalin, je pensais que ça allait transpercer. Donc oui. Là, par contre, comme je suis pas sûr à 100% que ça le transperce, j'ai peur de prendre un gros retour en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai peur de prendre un gros retour. On va tester ça. On prend des risques pour vous, les abos. Ouais, j'ai vraiment peur. Hein. J'ai peur qu'elle atterrisse dans ma tête. En fait. Attendez. Hop. Désolé pour le cadrage, mais là, les gars, je suis moins le malin là. On va tester ça. Attention, j'abaisse ma tête derrière l'écran. 1, 3, 2, 1. Ok. La balle est carrément rentrée dedans, les gars. Why? No joke. Regardez, les gars. Ah ouais, la balle, elle est vraiment rentrée dedans. Elle a même transpercé. What the fuck? C'est pour ça, les gars, je vous dis que c'est pas un jeu. Ah ouais. Pas mal. Bon, bah, le PC 0, l'arme 3. Donc, j'ai l'impression que le 85 est beaucoup plus puissant que le 92. Ah ouais, ça la détruit. Vraiment. Ah ouais. Je pensais que j'allais prendre un retour, mais regardez le trou que ça a fait, les gars. Même l'impact là au-dessus. Aïe. Ah ouais. On va tourner, voir. On voit rien par l'arrière. Ah ouais, ça l'a bien transpercé. On voit des petits bouts là et tout. Pas mal du tout. Inspection un petit peu, les gars, parce que franchement, là, je suis choqué de fou. Hein. Je suis vraiment choqué. Ah ouais, ça l'a bien tapé là. Ça a cassé juste ça là. Ça l'a cassé aussi. Ouais. Ok. Ça n'a pas décollé l'écran par contre. Non, ça m'a. En tout cas, c'est bien. Ça a bien transpercé, les gars. Ça a bien transpercé. Ok, les gars, c'est la fin de la vidéo. Comme vous avez pu voir, le PC, il est vraiment détruit, de chez détruit, comme je vous ai dit. Bon, il n'est pas détruit de façon que l'écran est sorti. Mais comme quoi, c'est pas un jeu, les gars. C'est pas un jeu parce que je vois beaucoup de commentaires qui me disent, ouais, c'est les trucs d'enfant. Certes, c'est pas des vraies balles. Bon, de toute façon, là, bah, les vraies balles, ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Mais oh, ça fait même décoller ça. C'est vraiment costaud, les gars. C'est vraiment costaud. Hein. Vraiment. Si vous voulez plusieurs choses que je teste, comme des télés, tout ce que vous voulez, des télés qui fonctionnent plus, bien sûr, je vais pas acheter une télé pour la casser après, ensuite. Vous voyez? Donc voilà. Moi, j'ai beaucoup de temps de faire cette vidéo-là. Si vous voulez d'autres d'autres thèmes de vidéos, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? La présentation des balles. Et j'ai remarqué aussi une chose. J'ai vu des commentaires. Et ça, je pouvais pas vous répondre parce que je ne savais pas du tout. Si on pouvait réutiliser une balle, une balle en caoutchouc après avoir été utilisée. On va dire ça comme ça, ouais. Je sais pas si c'est français. Bref. Si elle a été utilisée ou pas. Et en fait, je me suis rendu compte que quand en fait je tire, je sais pas si c'est avec la pression ou avec la flamme, la bille elle gonfle un tout petit peu et on peut plus la réutiliser après. En fait, il faut tout le temps changer de balle. J'ai essayé tirer toujours avec la même, sauf qu'elle rentrait plus et j'ai repris une neuve, elle est rentrée directement. Donc c'est parce qu'ils ont gonflé tout simplement. Donc on peut plus les réutiliser. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, comme je vous ai dit, à vous abonner, ça fait un énorme plaisir.
Allez checker ma chaîne qui est juste dans la description, s'il vous plaît. Allez donner de la force, ça ferait énormément plaisir, les potos. Je voulais sur ça, je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Ciao, ciao.